Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Nous sommes le mardi 6 décembre, c'est le vlogmas numéro 7. Hier j'étais chez ma soeur, ça s'est un petit peu mal passé à la fin de la soirée, mais j'ai pu profiter un maximum d'elle parce qu'elle va partir samedi en Guadeloupe pour un mois. Donc je vais pas la voir pendant très longtemps, donc j'étais un peu dégoûtée. Et en fait j'ai passé une très mauvaise nuit. Elle est 11h17, je devais être avec mes potes là pour bosser la programmation à 11h30 et j'ai eu extrêmement mal à l'œil cette nuit. Cette partie là de mon œil est vraiment été gonflée hier en fait, et là j'ai super mal, ça me brûle, donc je pense que c'est à cause d'une poussière ou je sais pas, un truc comme ça. Et aussi les écrans, je mets pas mes lunettes anti-lumière bleues malheureusement, il faut que je le fasse là maintenant. Mais les écrans ça me bute, donc je vais mettre mes lunettes aujourd'hui et je vais pas me maquiller les yeux je pense. Je suis très fatiguée, ouais je suis un peu fatiguée, mais c'est pas grave, je vois mon sapin il est illuminé, il y a des belles décorations à la maison. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, dernière vidéo. Je vois dans la vidéo je change tout le salon, vous avez bien kiffé. Vous avez tous donné vos petits conseils et tout, merci beaucoup. Déjà pour la poubelle, il y en a plein qui m'ont dit ouais il faudrait que tu le mettes devant le frigo et tout. Malheureusement je ne peux pas la mettre autre part, j'ai essayé et je peux pas ouvrir mon congèle, je peux pas ouvrir mes tiroirs et tout sinon. Mais je trouve que comme ça ça va, ça le fait. Il fait chaud, il fait pas beau, mais au moins il fait chaud dans la pièce, donc ça c'est cool. Écoutez, aujourd'hui ça va être une journée un peu, bah voilà, travail. On va aller à Censier, c'est un endroit où en gros on a parfois cours et il y a des salles et tout, des classes. Donc on va essayer d'y aller là-bas, ils ont trouvé une salle, donc j'espère qu'on va pouvoir rester. Et voilà, j'ai ouvert mon petit calendrier de l'avant ce matin, donc je vais vous montrer. Alors pour le chocolat My Muesli, j'ai reçu ça, donc c'est du cranberry et chocolat, ça j'aime pas trop. Pour le My Muesli, le grand My Muesli, j'ai reçu un pot pour le porridge je crois, en verre, donc c'est super bien, je l'ai déjà, donc je vais le filer à quelqu'un. Ensuite à YesTal, j'ai reçu un eyeliner vegan, je suis trop contente parce que j'adore les eyeliners, et j'ai plus de voix, excusez-moi. Et j'aime bien le packaging, c'est la marque Mizon, dont je connais absolument pas, et c'est un feutre donc j'aime beaucoup. Typologie, je suis archi contente, j'ai reçu un sérum pour les cils et les sourcils. Alors moi j'adore les sérums pour les cils, je sais pas si ça fonctionne vraiment, mais faut que ça soit sur un visage propre et sec. Donc c'est avec des pépites de pois 2% et de l'huile de ricin. Donc c'est super important l'huile de ricin. Ça fait vraiment pousser les cheveux. Rituals, ça c'est vraiment un basics. Les body mist, j'en ai plein de trucs comme ça. J'adore ce genre de choses. C'est très pratique pour emmener avec soi. Et pour Mademoiselle Bio, j'ai reçu un savon au citron et à l'orange. Alors je suis pas très fan moi des trucs comme ça. Mais voilà, c'est un savon pour les mains, pour le corps, pour intime. Ça fait un tout en un. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vais aller me préparer vraiment vite fait, on va juste nettoyer un peu le visage et tout. Je vais peut-être vous embarquer avec moi dans la salle de bain. Juste par contre, on en parle ou pas de cette tasse incroyable, elle vient de chez Primark. Elle est trop belle, on est d'accord? Genre j'adore, c'est trop beau. Donc on se retrouve dans ma salle de bain avec ma serpillière, le linge qui sèche, c'est n'importe quoi. Hier j'ai utilisé avec ma soeur ce masque là. Donc c'est celui-là, c'était très collant après, mais je trouve que la peau elle est plutôt pas mal. Donc c'est pour tout ce qui est les points noirs, etc. Donc c'est avec de la vitamine C. On a utilisé, bon ça moi j'arrive jamais à le porter avec elle longtemps parce que je fais que rigoler, un lip mask, donc ça se trouve à Action, l'autre il se trouve à YesStyle. Et franchement on ressemble à rien du tout, vraiment c'est n'importe quoi. J'ai testé les iPads qu'on a vus, enfin que j'ai reçus hier. Et je pense qu'en fait j'ai dû mettre du produit dans les yeux et ça m'a brûlé je pense, et ça m'a gratté et c'est ça qui m'a fait mal. Donc parce qu'en fait j'avais mis les iPads plus le masque, mais en fait le masque était tellement humide, il y avait tellement de sérum que bah, ça coulait, donc je les remettais en place et c'était vraiment pas une bonne idée. Donc je referai pas la même erreur. Alors pour ce matin du coup, moi je me lave le visage soit avec ce cleaning de chez Reine qui est vraiment très bien, je vous le conseille vivement, mais des fois quand j'ai la flemme, bah, je prends juste un petit coton et j'utilise la lotion de chez Sephora, donc c'est celle-ci. C'est un tonique équilibrant, pH neutre, anti-pollution, etc. Bon, je sais pas s'il fait... Enfin, ça fait longtemps que j'utilise, comme vous pouvez le voir. Il fait pas des miracles, je trouve. Hein, ça nettoie juste et ça fait le taf, entre guillemets. Mais je vois pas une différence pour l'instant. Je voulais mettre du sérum physiologique pour les yeux, mais je n'en ai absolument plus. Donc peut-être que j'irai à la pharmacie. Parce que ouais, j'ai trop mal vu, ça me brûle. Ensuite, pour le visage, j'essaye de finir mes petits sérums. Donc là, ouais, c'est celui de chez Sephora. Il m'a duré vraiment longtemps. J'en ai encore un comme ça. est vraiment très très bien, je trouve, et ça s'absorbe extrêmement vite, donc ça c'est vraiment cool. Et donc c'est aussi pour les imperfections, et je trouve que ça fonctionne vraiment bien, ça, par contre. Un autre aussi pour la nuit, que lui ça s'utilise très rapidement, j'en suis à mon deuxième, c'est celui-ci. Il est vraiment très très bien aussi, je vous le conseille. J'en ai racheté d'autres de sérum pendant la Black Friday, je vous les montrerai un peu plus tard. Quand je sens ma peau vraiment déshydratée, j'utilise ça. C'est un sérum hydratant, il est génial, vraiment je peux vous le conseiller, de chez Avène, il est très très bien. Bon, là pour l'instant ça va. Et je vais utiliser la crème hydratante de chez Typologie. Donc c'est celle-là, hein, la grande, je l'ai reçue en petit, mais j'ai aussi en grande, que j'ai reçue gratuitement celle-là. Et elle est vraiment très bien. 9 ingrédients, très simple, elle hydrate super bien. Donc trop contente de ça. Et après je vais appliquer un contour des yeux hydratant, parce que là avec mes yeux là qui ont fait que pleurer cette nuit, j'ai mis de la glace et tout, ça dégonfle. Vous savez les masques en forme de concombre là avec du gel, j'ai mis ça cette nuit et tout, je vous jure j'avais trop mal aux yeux. Et ça a bien dégonflé, en tout cas ça a bien fonctionné, parce que mon œil était vraiment très gonflé. Pour le contour des yeux, j'utilise toujours Avène. C'est vraiment une marque coup de cœur pour moi, c'est excellent cette marque là. Voilà. Donc voilà pour la petite skincare, vous voyez, ça prend 5 minutes de prendre soin de soi, c'est très important je trouve, surtout lavez-vous bien le visage le matin, parce que c'est là où il y a toutes les impuretés et tout. Donc voilà, là je vais juste faire mes sourcils, mettre un tout petit peu de point de correcteur, mais je vais pas du tout toucher à mes yeux, sinon je vais les laisser comme ça au naturel. Je prends un crayon qui vient de chez Yves Rocher, franchement ils sont trop bien leurs petits crayons. Et mon anti-cerne c'est Fit Me, voilà, de Maybelline. Donc voilà, très très simple, très naturel. Je ressemble encore un petit peu à un cachalot, mais bon c'est pas grave. On me demande beaucoup à ma routine capillaire, je vous en ai déjà fait une sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à la checker, peut-être que je la retrouverai, je vous la mettrai en... dans le petit i. Je pense que j'ai beaucoup de chance avec mes cheveux, une bonne texture capillaire, on va dire ça comme ça. Et sinon bah, j'utilise que des produits naturels, j'utilise pas de conneries, Head Shoulders, L'Oréal et tout, j'utilise des savons naturels et des masques naturels, donc tout est naturel. Et je les coupe pas trop de fois par an, enfin là mes cheveux ils sont vraiment très très longs, et la dernière fois que je les ai coupés je crois que c'était à là. Et c'était au mois de juin, mois de mai. Donc ouais, ça pousse vraiment vite, c'est cool. Après j'ai des petits cheveux aussi, là ça casse assez facilement, vous savez, quand je me fais des petites coupes. Mais sinon moi je trouve que mes cheveux ils ont une bonne texture, ils sont beaux, ils sont pas abîmés du tout, je n'ai aucune fourche. Donc ça c'est vraiment cool, et, mais je pense que c'est juste la texture des cheveux. Et puis aussi les produits capillaires que j'utilise au quotidien. Et aussi pendant un an j'ai pas touché à mes cheveux, genre pendant la période de Covid. J'ai pas fait de lisseur, de boucleur et tout, j'ai rien fait de tout ça. Et j'en fais beaucoup moins, donc c'est pour ça aussi mes cheveux ils ont repris en épaisseur en un an. C'était incroyable la différence de avant après. Puis j'avais eu les cheveux abîmés, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait une vidéo. J'avais utilisé les produits Hairburst qui étaient vraiment bien. J'avais vraiment adoré leurs produits, ça avait vraiment bien fonctionné sur moi. Et après bah, j'ai découvert les shampoings solides de chez Lush, qui sont vraiment géniaux. Enfin moi je les aime beaucoup, ils rendent les cheveux vraiment beaux, tout est naturel. Donc là ils sont un peu bizarres et tout, là ils sont pas trop de forme, mais je vais pas les toucher là, je vais juste y aller comme ça, parce que là je suis en retard. Il est 11h36 donc je vais me dépêcher. Après c'est à Censier, donc c'est un peu plus proche de chez moi que la fac. Donc let's go, c'est parti, je vais m'habiller. Bien voilà pour la tenue du jour, c'est un petit pull qui vient de chez Primark en matière recyclée, et c'est vraiment super bien. Plus un pantalon simili-cuir, ça fait longtemps que j'en ai pas mis, un peu style pantalon carotte mais simili-cuir. Vraiment trop bien, il y a des... Enfin un peu cargo, pardon, pas carotte. Il y a des petites poches et tout, et il vient de chez SHEIN, franchement je l'adore, il est trop trop beau. Donc voilà pour la tenue du jour, j'ai mis mes lunettes, je n'en fais plus, j'ai mal aux yeux. Et ouais, mes yeux c'est une catastrophe là. Donc bon, allez c'est parti, je vais aller à Censier et on va travailler. Bon, je sais pas si vous allez bien m'entendre, je sais pas si mes AirPods sont connectés à ma caméra, je ne crois pas. Alors petit changement de programme, au final on va pas à Censier. Je suis ravie parce que j'ai pris la ligne 7 exprès pour aller à Censier. La ligne 7 était en bordel, il y avait de la fumée dans les voies et tout, genre j'ai mis quasiment une heure pour aller à Place Monge. Alors de base j'ai mis 15 minutes, je suis essoufflée, et en gros bah ils m'ont dit qu'ils allaient à la Sorbonne, donc j'aurais pu prendre le RER, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc là il est 13h, je crois 13h moins le quart, j'ai 15 minutes de marche, je les retrouve dans une salle. c'est en fait, c'est pour vraiment alléger aussi la barrière du milieu. On cherche à expliquer. C'est la marque. Après, 9, c'est sensibilité. Je suis sûre que Malo, c'est l'hippopotame. Par dessus, Wombat. Clémence, c'est Clémence, c'est nul. Quoi? Toi, t'es Clémence. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Tu fais quoi, Antonin? Tu m'écris un poème? Voici notre super PowerPoint avec nos variables. Hop. Petite animation. Incroyable. On attend les résultats du code qui n'ont toujours pas été faits. Et là, c'est nos têtes. On est beau. Elle, elle est trop belle, elle. Incroyable. Et on a fait tout ça. Tu t'éclates? Il est con, ça va. C'est perso. Oh, les fautes d'orthographe, mon dieu. Pire que moi. Ah oui, vraiment. Est-ce que je peux le lire à ma communauté, Antonin? Ouais. Sauf la fin, parce que la fin elle va être strikée. Ah, tu as enregistré, hein. Un jour il me fera une plus belle lettre. Parce qu'il a dit qu'il ne regardait pas mes stories à mes proches, du coup je l'ai retiré. Et il m'a dit, Elisa, mon cœur est lourd de t'avoir vexé. Tes stories sont le soleil de mes jours, le bonheur de mes nuits. Mon choc est grand à l'idée de ne plus les voir, d'être sortie de cette communauté si vivante et quoi et rassurante. Bon, je ne sais plus quoi dire, donc après je peux pas le dire parce qu'on va être striké. Je chiale. Et toi, Mance, je vais la garder. Bon, je viens de rentrer, il est quelle heure? 22h. Je peux plus. Je passe ma vie à me plaindre. Oui, Prince, j'arrive, je vais te donner de la pâté. Laisse-moi juste le temps d'enlever mon manteau, mon écharpe, mon bonnet. J'ai reçu du courrier. Hey, qui était là à l'unboxing de courrier sur Instagram? Donc on va voir si j'ai enfin les APL. Ça fait un an que je demande mes putains d'APL. Chaque fois, ils me demandent une autre pièce justificative en plus. Alors, bon ça, je m'en bats les couilles. Alors moi je vous mets courrier comme ça, c'est-à-dire en mode tablette de chocolat. Hop. Et j'ouvre ça comme ça. Voilà. Les gens ils ouvrent d'une manière normale, mais pas moi. Non mais MDR, non mais ce coup de la gueule du monde, ou ça se passe comment? Il ne peut pas donner une suite favorable à mon arrêt de travail du mois de septembre là. Et ils m'ont réclamé au mois de septembre le volet 1 et 2 de la réinitiale. Mais qu'est-ce qu'ils me racontent? Mais je les ai même plus. Et je dois adresser une requête par être recommandée? Non mais ils se foutent de la gueule du monde, ça se passe comment? J'ai même été payée par la MSA. Sachant que je les ai même plus, c'était au mois de septembre. Bon bah voilà, encore un truc à gérer, je peux plus. J'en ai un peu marre. Là je vous avoue, je suis en... Ouais, j'arrive. Je suis saoulée là. Ah, j'en ai marre, ça y est. C'est quoi cette fin de journée là? Ah, je me plains, ça y est, je suis dans un mauvais mood. Le lave-vaisselle n'est pas vidé. Je suis ravie, la qualité est horrible, comme d'habitude. Mais à quel moment ils m'ont réclamé alors que j'ai pas reçu de courrier? Je comprends pas. Si en gros ils ont pas reçu mon arrêt de travail initial, du coup toutes mes prolongations ne sont pas bonnes depuis le mois de septembre. Non mais là c'est du foutage de gueule là, je... Tu sais, dis ça au mois de décembre alors que j'ai bien envoyé, enfin bref. Je peux plus de l'administration, je peux plus. Bon bref, comme vous pouvez voir je suis dans un bad mood. Là mon cerveau me dit Elisa mange même pas, genre ça sert à rien de bouffer. Mais mon médecin me dit Elisa mange. Surtout dans ce genre de moment. Donc je sais pas ce qu'on va manger, j'ai aucune idée. Ça m'énerve, ça m'énerve. Je vais faire des brochettes à réchauffer au micro-ondes. Et en plus je dois te faire une putain de lettre recommandée à 5 balles pour te prouver que... Bon, j'ai eu mon père au téléphone parce que j'étais énervée comme pas possible. Et comme par hasard, je prends à chaque fois les photos des arrêts de travail et j'ai pas pris en photo l'arrêt initial, j'ai que la partie employeur. Donc il va falloir que je m'occupe de ça ce soir ou je sais pas quand là. Et que... Après j'ai la poste en face de ma fac, donc là c'est pratique. Et je vais envoyer en photo tout avec toutes les prolongations aussi. Et... ça me saoule. Ça me saoule, on est quand même en mois de décembre. Faut toujours se battre pour avoir ce qu'on veut et c'est usant en fait. Je suis désolée, je suis dans un bad mood, c'est... J'ai fait tomber ma tasse à café sur mon canapé et sur mon tapis. Je peux plus. Il y a des jours comme ça, hein. Je vais pleurer. Ouais, il y a des jours avec et des jours sans, visiblement. J'espère que vous, ça s'est bien passé, cette journée. Attention, mon cœur, il y a du café partout. Voilà en tout cas pour cette journée. Si je peux résumer un petit peu cette journée, ben on a bien avancé dans le travail. Je vais peut-être vous montrer après. Les mecs, là, ils sont en train de faire le code, ils en peuvent plus. Ils ont abandonné certaines variables parce qu'ils n'arrivaient plus du tout à les coder et tout. Enfin bref, c'était une catastrophe pour eux. Les pauvres, vraiment, ils ont fait un travail de fou. Ouais, ça fait un peu plus cosy. Déjà, donc j'ai ça, il faut que je fasse ma to-do list pour demain. J'ai ça à gérer demain. On a eu une petite conférence avec le Alain Thirion. C'est un préfet. Et il a parlé un petit peu de tout ce qu'il faisait, etc. Il y a eu des questions et tout après. Ça a duré 2 heures, c'est pour ça que de base j'étais pas censée rester. Je devais partir à 17h, mais il y a mon pote Antonin qui m'a dit de rester. Du coup je suis restée jusqu'à 19h, jusqu'à temps qu'ils aillent eux à la conférence. Moi je devais pas y aller. Et il m'a dit vas-y reste et tout, encore un peu, etc. Donc je suis restée dans la conférence. Je suis rentrée avec un de mes autres potes. J'ai pas trop écouté, j'avoue, j'étais plus sur mon ordi en train de faire mon anglais. C'est n'importe quoi. Cette journée, ça n'a aucun sens. Mais oui, il y a des jours avec et des jours sans, hein. C'est pas possible. Heureusement qu'il y a Prince pour me faire rire, parce que vraiment, sans lui, je crois que je passerais ma vie à pleurer. Mon cœur, t'es trop beau. T'as fait tomber ta balle. Ou t'as fait encore tomber un truc. Ah ouais, non mais ta balle, elle est hyper loin, Prince. Je peux pas la récupérer. Ah, je suis désolée, mon cœur, mais elle est condamnée, là, c'est fini. À moins que j'arrive à pousser... Qu'est-ce que je ferais pas pour toi? Tu voyais sa petite balle. Vas-y mon chat, vas-y. Ouais, ouais, ouais. Prends-la avec la gueule. T'es bloqué mon cœur. Fais marche arrière, attends j'arrive. Sa petite tête. Attends j'arrive. Prends-la avec ta... Attends. On est vraiment des galériens. T'es un galérien Prince, oui. Mais non, 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 joue pas, je la prends, je la prends. Je la prends. Oh putain. C'est bon, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Voilà, il est content. Tiens. Je l'aime trop. Heureusement qu'il est là. Je peux plus. Je t'aime, mon chat. Bon, du coup, je dirais pas que ça va mieux parce que ça va pas mieux. Mais en fait, en ce moment, genre, soit je suis extrêmement calme, extrêmement chill, soit ça pète d'un coup. J'ai aucune demi-mesure en fait. Et là, vraiment, c'était la goutte d'eau et j'étais vraiment vénère. Genre mon père il m'a appelé, je crois que j'ai gueulé sur tout le monde, alors que mon père il n'est plus rien. J'ai vraiment un caractère de merde là-dessus. Comme les hormones, plus les médocs, plus tout le bordel, bah écoute, ça donne un caractère de merde. Du coup, j'ai eu des petits messages de mon groupe pour recherche là, du coup pour la programmation. Ils m'ont fait rire, ils m'ont dit franchement 3 pintes plus le logiciel R, c'est efficace à 100% parce qu'ils ont quasiment fini le code. Et en fait ça donne ce genre de choses. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà, c'est ce genre de petits trucs. Et en fait, plus il y a d'étoiles, plus c'est significatif, etc. Et après, on faut ajuster en fonction. Mais par exemple, au tout début, voilà, toutes les variables. Et ensuite, après, il a fallu changer des petites variables, etc. Voir les différents liens et ça prend du temps. J'hésite à aller en droit demain. Tout dépendra en fait si on a avancé ou pas dans le truc pour recherche puisqu'on passe vendredi. Le vlog était pas très long et pas très positif, je suis désolée. Et en vrai il y a des jours avec et des jours sans, enfin, on peut pas être tout le temps positif. Enfin quand il y a une merda qui se passe comme ça là, on peut pas le prendre avec le sourire, c'est pas possible. Et là ça me rajoute une charge de travail mentale. En fait, c'est plus ça qui me pose problème, c'est que j'arrive plus à, comme je faisais à l'époque, j'arrive plus à prendre sur moi et à essayer de tout gérer, je n'y arrive plus. J'ai une overdose de tout ça, je suis en burn-out dans ma tête, je n'en peux plus. Et dès que j'ai des choses déjà assez stressantes à faire, plus un truc qui se rajoute en plus comme ça, d'un coup j'ai rien demandé, ça fait 4 mois... Enfin, je sais pas, ça m'énerve. Mais ça arrive et c'est totalement normal d'avoir ce genre de réaction. Entre guillemets, normal. Chacun son degré. Moi, c'est un degré assez puissant. Mais vraiment, j'ai un caractère de merde, je le sais. Mais on essaye de s'améliorer. Prince, il est vraiment adorable, il joue avec sa balle, je l'aime trop ce chat. Il est trop mime, genre vraiment, c'est un basketteur professionnel mon chat. Je sais pas si vous le verrez, mais des fois il coince sa balle entre le frigo et le meuble. Elle l'a dans la gueule, c'est trop mignon. Oh, mon chat, il est vraiment d'une mignonnerie incroyable. Bon bah du coup, il est 23h et... qu'il est trop beau. Je vais vous laisser là, je vais faire le montage de la vidéo, la miniature, je sais même pas comment je vais appeler ce vlog parce que ça n'a strictement aucun sens. Donc j'espère sincèrement que ce vlog vous aura plu. Ça ira mieux demain je pense parce que là c'est une journée de merde. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRTF, je poste une story tous les jours, n'hésitez pas à aller checker. À vous abonner à ma chaîne YouTube juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que je prends juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain.